Le Beyblade. Une compétition au cours de laquelle les bladeurs les plus doués s'affrontent pour déterminer qui sera le meilleur. Et maintenant, les combats turbo ont atteint la vitesse de la lumière. L'aventure devient encore plus passionnante. Tandis que de nouveaux champions font le maximum. Leur but, devenir champion du monde. Le décor est planté et les joueurs sont prêts pour le défi turbo. Quel est le concurrent qui réussira à conquérir le titre de meilleur bladeur du monde? Pendant que je m'entraînais pour mon combat contre Fai, Shu est arrivé avec Spryzen. Il avait réussi à le réparer. Ce n'est qu'avec votre aide et celle de Spryzen que je pourrai donner à Iger des armes pour vaincre Fai. 3, 2, 1, hyper vitesse! Grand chef, Fubuki, Suo, grâce à mes amis, mon entraînement est passé à la vitesse supérieure. Et maintenant, achève-les avec Turbo Épée! Oh, Achilles, il faut qu'on en finisse! Oh. Iger, il a gagné. Incroyable, il y est arrivé. Youpi! Bien joué, Iger, on savait que tu pouvais le faire. Fai a intérêt à se méfier, parce que je me sens prêt à l'affronter. Sois ce héros que le monde réclame. Fais tourner ta toupie, prends part au combat. Hyper vitesse, mais c'est tout ton âme. Écoute-moi bien, Fai, je sais que tu vas t'en prendre à mes turbolames, mais je t'enverrai valser bien avant. Tu peux faire ce que tu voudras, ton destin est déjà écrit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Tu t'es endormi d'un seul coup. T'as dévoré les sandwichs de Naru, puis tu t'es couché par terre comme ça. Tu devais être épuisé. Mince, qu'est-ce que c'était bon! J'ai mangé à en étouffer. Faut que je fasse une sieste. Ici, comme ça? Oui, je me souviens. Tes coéquipiers étaient aussi fatigués que toi. Normal, vous aviez tous travaillé dur. C'est bon, Iger. Continue comme ça et tu l'auras. Lance ton attaque. Je t'attends. Allez, encore un seul combat. J'en peux plus. Faut que je fasse une pause. Merci, les amis. Vous êtes vraiment les meilleurs. Pourquoi j'ai fait ce rêve? Tu crois qu'Iger pourra lui résister? En tout cas, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l'aider. Sans doute. Pour la suite, nous devons lui faire confiance. Iger. Je battrai Fai! Je ferai tout pour y arriver, je le jure! Iger me paraît particulièrement motivé. Tu entends, Fai, ta dernière...
qu'est-ce qui se passe? Kit? Salut, Iger. C'est vrai ce qu'on raconte? Tu vas affronter Faye? Oui, c'est vrai. Val, dépêche-toi, j'ai Iger en ligne. Hein? Je suis en train de lui parler, là. Salut, Iger. Chou m'a déjà tout raconté. Alors même après l'annulation de ton réveil turbo, t'es arrivé à repousser ses attaques. Et comment? Oui, c'était un spectacle incroyable. Oh, j'aurais tellement voulu être là pour voir ça. Et moi donc? Hé, hey, arrête de me pousser, je suis en train de parler. Attends, moi aussi j'ai envie de lui parler, je te signale. Laisse-moi au moins une minute, tu veux? Tu rigoles, c'est moi qui l'avais, alors c'est moi qui peux lui parler en premier. Mais qu'est-ce qu'il leur prend à tous les deux? Hé, hey, calmez-vous un peu, si vous avez un truc à me dire, dites-le, d'accord? Oh. Je vous écoute tous les deux, alors dépêchez-vous. J'ai rien de spécial à dire. Oh, rien du tout? J'avais juste envie d'entendre ta voix. C'est sérieux? Vous ne m'appelez que pour ça? Oh, juste un truc! À propos de ton combat de demain, sois toi-même et fais le maximum! Et surtout, n'oublie pas de profiter de ce combat avec Achilles! Entendu! Allez, à plus! Hé, hey, pourquoi t'as coupé? J'avais pas fini de lui parler, moi! Désolée, j'ai fait ça par habitude, tu sais ce que c'est? C'est pas cool, tu sais que je pourrais me fâcher sérieusement! Bon, bah voilà, au moins il pense à moi! Bon, bah voilà, on est là. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Rien de particulier. J'avais juste envie de voir mes merveilleux enfants. Attendez, vous nous avez fait venir de loin, c'est forcément pour une raison précise. Nous avons entendu parler de ton entraînement spécial. Tes amis sont tous extraordinaires. Mais Chou et Valt sont devenus de véritables modèles pour toi, non? Je voulais te dire que je suis vraiment rassurée de savoir que tu es aussi bien entourée. Pourquoi tout le monde se fait du souci pour moi? Oui, c'est vrai ça. C'est pas la peine, Iger gère tout comme un pro. Toi, tu sais qu'on peut me faire confiance. Parce que t'es le meilleur blader du monde. Oui, oui. Tu voulais quitter la maison, c'est ça? Oui, c'est décidé, je dois partir. Ah bon, c'est décidé. Et personne ne pourra m'arrêter. Oui, on le dirait bien. N'essaye pas de me faire changer d'avis. Ce n'est pas mon intention. Ah, attends, qu'est-ce que tu as dit? Il faut que tu suives ta propre voie, Iger. Tu t'es fait des amis formidables. Je suis heureuse pour toi. Je sais. Et tout ça grâce à Achilles. C'est vrai, maman, c'est lui qui nous a permis de nous rencontrer. Hé, hey, Iger. Oui? Qu'y a-t-il, papa? Que dirais-tu d'un combat contre ton père? Oh! 3, 2, 1... Hyper vitesse! J'ai gagné! D'accord, c'est pas mal, mais je veux ma revanche! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à gagner? Oh! Encore une dernière fois! Allez, une toute dernière! Je ne crois pas que cet entraînement va beaucoup aider Iger, maman. Tu sais, ton père était un excellent blader autrefois. D'accord, d'accord, un tout dernier combat, mais cette fois, ce sera le dernier, promis. Hé, hey, papa! Partant pour un tout dernier? Oui! Sa résonance a tellement augmenté. Achilles est heureux, je le sens. Tu en as fait du chemin, Iger. Achilles, on s'est bien amusé, non? C'était génial de combattre papa. Moi aussi j'ai aimé ce moment. Pour être tout à fait honnête, j'ai un peu peur de devoir affronter Faye demain, tu sais. Si je suis battu, il pourrait te détruire, comme la dernière fois. Sois sans crainte. Oh. Fais-moi confiance. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu es le meilleur, Achilles. Salut, chers fans de Beyblade! Ce grand jour est enfin arrivé!
soyez les bienvenus dans l'arène, Néo. Un combat fatal va se dérouler aujourd'hui. Un combat que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Le redoutable Red Phoenix a détruit de nombreuses toupies. Et aujourd'hui, c'est Turbo Achilles qui va tenter de l'arrêter. Iger arrivera-t-il à mettre fin au carnage? Ou sera-t-il victime à son tour de l'implacable puissance de destruction de Red Phoenix? C'est ce que nous allons découvrir ici et maintenant. Dans le coin bleu, le seigneur de la destruction attend son heure. C'est Fire! Et dans le coin rouge, se tient le chevalier vêtu de pourpre, Iger Akabane! Je lis dans ton esprit comme si c'était un livre ouvert, Iger. La terreur de voir Achilles anéanti une seconde fois te fait trembler, même si tu tentes de ne pas le montrer. Inutile de nier, je sais que j'ai raison. Cette fois, je ne te laisserai pas le détruire! Dis-moi un peu, Iger, que dirais-tu de livrer un combat à victoire explosive? Oh! Vous avez entendu? Fry demande à Iger son accord pour un combat à victoire explosive! Un combat à victoire explosive? C'est un genre de combat qu'on livre assez rarement et qui implique que seul un chaos explosif permet de remporter la victoire. Ça, alors, ce sont les règles du gang des Wild Bay? Absolument, et c'est le genre de combat que je préfère. Mais ce serait une catastrophe. Ah bon? Et pourquoi? Parce que selon notre plan, Iger doit surtout se défendre. Peut-être, mais une toupie ne peut pas exploser en mode réveil turbo. À mon avis, ce genre de combat donnerait l'avantage à Achilles. C'est possible, mais Fai a visiblement l'intention de harceler Iger au cours du match. Oh ah! Bon, ta proposition me convient, je l'accepte. Il a accepté. Le sort en est jeté. Moi, je trouve ça trop risqué. Oh, Iger. La décision est prise et le combat va commencer. La tension dans l'arène est presque palpable. Tu vas connaître le véritable désespoir. Walt Aoi, j'espère que tu regardes. Le spectacle va bientôt commencer et je vais briser le cœur de ton ami. Tu vas assister à son dernier combat. Fai. Premier combat! Quand on affronte Fai, il faut se concentrer uniquement sur la défense. Et comme tu as pu le voir, il va tenter d'annuler le réveil turbo d'Achilles. Pour encaisser toutes ses attaques, tu devras te défendre sans cesse, et ne frapper que quand le moment sera venu. Crois-moi, c'est la seule façon de vaincre Fai. Je vais adopter la stratégie que Shu a imaginée. Tu penses pouvoir te défendre? Je m'y attendais, mais tu risques d'être déçu. Arrête de deviner à quoi je pense. Ce n'est pas bien difficile, tu es tellement prévisible. Tu vas bientôt réaliser que tous tes efforts n'ont servi à rien. À vos mains! Prêt? 3, 2, 1, hyper vitesse! Achilles! Fonce de toutes tes forces! Et le combat commence très fort avec deux superbes propulsions! Achilles se dirige tout droit vers le centre, comment Phoenix va-t-il réagir? Attaque avec propre-pied! Arrête-le avec turbo! S'achète son fusil Achilles en multipliant les attaques à pleine puissance. Courage, Achilles, tiens bon! Oui, excellent, Iger, continue comme ça! Oui, il s'accroche, c'est bien. Il adopte la bonne attitude. Phoenix ne lâche pas sa proie! Achilles n'arrive pas à lui échapper! Tu crois vraiment que ça va marcher? J'en suis sûr! Mon heure ne va pas tarder! Je suis navré de te décevoir. Oh! Achilles n'a pas réussi à tenir le coup! Continue à tourner! Non, tu n'exploseras pas aussi vite. Dread Phoenix l'emporte avec un chaos par sortie d'arène. Mais il s'agit d'un combat à victoire explosive. Ce chaos par sortie d'arène n'accorde donc pas un seul point à Fai.
C'est trop tôt. Je veux m'amuser un peu avant de te détruire. Tu l'auras la prochaine fois. Ne te laisse pas déconcentrer. Iger, respire à fond et ça ira. Ils ont raison. Il faut que je me concentre. Deuxième combat! Continuons à nous amuser. Ne te réjouis pas trop vite, Faye. Je vais exploser ta toupie. J'aime beaucoup cette flamme dans tes yeux. Et je suis sûr que j'éprouverai un plaisir particulier à l'éteindre pour toujours. À vos mains! Prêt? 3, 2, 1... Hyper vitesse! Achilles va bientôt affronter son destin. Attaque avec frappe! Ce sera moins facile que tu le crois. Turbo défense! Wow! Vous avez comme moi l'impression d'avoir déjà assisté à tout ça? Phoenix lance une nouvelle série d'attaques puissantes! Phoenix se moque éperdument de ton pauvre petit mode réveil turbo. Achilles! Je te conseille de bien regarder ta chère toupie, parce que c'est la dernière fois que tu en as l'occasion. Phoenix continue ses attaques impitoyables sans montrer le moindre signe de faiblesse! Vas-y, continue! Attaque autant que tu en as envie! Quoi qu'il arrive, Achilles ne s'inclinera pas devant toi! Une telle résistance, c'est futile! Wow! Phoenix vient de lancer un coup dévastateur! Achilles n'a pas pu résister. Il n'a pas explosé, mais il s'est arrêté au beau milieu de l'arène. C'est encore trop tôt pour l'explosion finale. Red Phoenix l'emporte avec un KO par dernier survivant. Je peux recommencer où et quand je veux. Conformément aux règles du combat à victoire explosive, le score est toujours de 0 à 0. Il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Alors, Iger, aimes-tu le goût du désespoir? Aucune idée, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je suis curieux de voir combien de temps tu seras capable de faire semblant. Qu'en penses-tu, Walt Aoi? Faites ton mieux, Iger! Tu dois tenir le coup, Iger. Troisième combat! Tu peux dire tout ce que tu veux, nous ne renoncerons pas! On va leur donner une bonne leçon, Achilles! Il a la même expression que toi sur le visage. Oui. Notre petit garçon vit sa passion, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que tu dis, Phoenix? Tu veux en finir avec ce combat immédiatement? Bien, c'est ce que nous allons faire. En l'anéantissant! On ne te laissera pas faire ça! On va s'en sortir! Pas vrai, Achilles? L'occasion se présentera bientôt. À vos marques! Prêt! 3, 2, 1... Hyper! Attaque avec frappe prête. Encore une fois, Turbo défense. C'est tellement inutile. On dirait que cette fois, Phoenix vise plus précisément les turbolames d'Achilles. Ton mode réveil turbo ne tiendra plus bien longtemps, je crois. Achilles vient d'être lancé en l'air. Achilles a réussi à atterrir! Quel moment! À toi, Achilles! Turbo-protection! Achilles vient de lancer son fameux turbo-protection! Mais est-ce que cela suffira à contrer Phoenix? Maintenant, tu vas connaître le goût du désespoir! Laisse-toi, Phoenix!
Avec un KO par sortie d'arène. J'y crois pas. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Il a réussi. Et le score de ce match historique est toujours de 0-0. Cette lumière, qu'est-ce que c'était? C'est vraiment fascinant. Tu es prêt? Cette fois, je compte bien en finir. La turbo-résonance d'Higer. Higer Akabane a remporté la troisième manche avec un KO par sortie d'arrêt. Mais il s'agit d'un combat à victoire explosive. Le score reste donc de 0-0. Et les deux Bladers vont continuer l'affrontement. Tu vois, Faye, c'est ça le lien qui nous unit. Le lien qui vous unit? Quelle déclaration ridicule. Ouais, c'est officiel, Faye est givré. C'est vrai qu'il est bizarre. Peut-être qu'il a vraiment disjoncté. C'est peu probable. Hein? Il ne se sent pas encore en danger. Phoenix. J'espère que tu t'amuses autant que moi. Aquiles est un jouet digne de toi, je te conseille de prendre le temps d'en profiter. Tous mes compliments. Une telle évolution en si peu de temps, c'est impressionnant. Toutefois, ce fameux lien que tu penses entretenir avec Aquiles sera bientôt brisé à tout jamais par Phoenix et ton humble serviteur. Qu'est-ce qu'il fabrique? Cette fois, il est sérieux. Il a la ferme intention de le détruire. Aquiles, ils vont s'en sortir, il faut avoir confiance. Ah, j'en ai assez de cette histoire. Allez, Higer, explose-moi ce type. Oh, il a raison. Vas-y, Higer. Higer. Allez, les amis, on fait tous Higer comme le grand chef. Oui. Higer. Tu dois être fier, Higer. Tout le monde t'encourage à pleine voix. Ce doit être agréable. C'est absolument génial. Je vais donc te faire un cadeau. Je vais te laisser en profiter un petit moment encore. Avant de t'anéantir et de t'ôter à jamais l'envie d'entrer dans une arène. Je te promets que Phoenix va éteindre la lumière qui brille en toi comme il va réduire Aquiles en pièces. Mais enfin, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un ici? Je suis où, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Higer, tu n'as rien à craindre. Sois toi-même et fais le maximum. Et surtout, n'oublie pas de profiter de ce combat avec Aquiles. Écoute attentivement la voix d'Aquiles. Je sais que tu peux encaisser ça. Il n'arrivera pas à m'impressionner. Je ne me laisserai pas faire. Quoi qu'il arrive, le lien qui nous unit ne sera jamais brisé. Jamais. Quatrième combat. On va changer un peu. Excellent. Tu t'amuses comme un petit fou, n'est-ce pas, mon Dread Phoenix? Higer a surélevé sa toupie. Il a décidé de changer de stratégie. Il ne va plus seulement se défendre? S'il fait ça, tout ce qu'on a mis au point pendant son entraînement n'aura servi à rien. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Hé, regardez! Higer sourit! Mais pourquoi? Parce qu'Higer est ainsi fait. Il se fie à son instinct. Exactement comme Vat. C'est justement ce qui fait sa force.
À vos marques. Prêt. 3, 2, 1. Hyper Vitesse. Propulsion turbo. Tiger a changé de tactique et Achilles passe à l'offensive. Quel passionnant retournement de situation. Ta défaite arrive maintenant, Faye. On va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Magnifique. Attaque encore, ne t'arrête pas. Phoenix est ravi, il veut que tu continues. Pense sur lui. Oui, continue comme ça, Aya. Tu peux y arriver, c'est le moment ou jamais. Je n'aime pas ça du tout. Oh, oh. Vous ne voyez pas que Dread Phoenix vise précisément les turbolames? Cette fois, c'est la fin, Ryder. Oui, sans doute, mais ce sera la tienne. Achilles. Wow. Phoenix a perdu son armure. Phoenix. Canon Dread. L'attaque du canon Dread de Phoenix fonce droit sur Achilles. J'étais absolument sûr que tu allais faire ça. Achilles, ne laisse pas franchir ta turboprotection. Yeah. Achilles commence à titubeur. Maintenant, Phoenix, détruis-le. Double canon Dread. Oh, esquive, Achilles. Canon Rétrageur Dread. Oh non. Rien plus ce qu'il voulait. Le seigneur de la destruction va frapper à nouveau. Remporte cette manche avec un KO par sortie d'arène. Mais le score reste inchangé et le combat doit continuer. Oh. Honnêtement, j'ai bien cru que c'était terminé. Oui, bienvenue au club. Je me demande ce qui s'est passé dans cette arène. Alors, jetons un œil sur la dernière phase du combat au ralenti. Le canon écraseur Dread de Phoenix fonce droit sur Achilles. Et juste au moment où tout semble perdu, oui, c'est bien ce que je pensais. Achilles a commencé à tituber, mais à la dernière seconde, il a quitté l'arène. Ce qui lui a donné un sursaut d'énergie. Il a esquivé en une fraction de seconde, puis est sorti de la zone de combat et s'est mis à l'abri de l'impact. Heureusement qu'il a eu l'idée de surélever Achilles. Super stratégie. Ça, c'est Iger tout craché. Achilles, je suis heureux que tu aies tenu le coup avec moi. Cinquième combat. Phoenix. Cette fois, c'est le moment. Satisfais ton envie de destruction. Achilles, on va continuer à faire le maximum. C'est magnifique. Exactement comme j'en rêvais. Iger, aimes-tu le Beyblade?
Oui, bien sûr, j'adore ça. Moi aussi. Est-ce que ça signifie que j'ai enfin maîtrisé ton épée et ton bouclier ? Oh. Iger, tu es capable de faire bien plus encore. Oui, ensemble, nous pouvons tout accomplir. Je vais te prouver qu'on est les meilleurs, Achilles. Je te promets que je deviendrai plus fort encore. Achilles vient d'être brisé à cause de moi. Oui, Iger, c'est ça ton style. Tu l'as trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu es fini, Iger. À vos marques. Je suis le seigneur de la destruction! Nul ne peut me vaincre! Ni mon Dread Phoenix! Double canon Dread! Tu vas t'incliner devant ton vainqueur! Encaisse ça! Piquez du canon écraseur Dread! C'est hallucinant! C'est le véritable pouvoir du Seigneur de la Destruction! Ce lien qui nous unit, personne ne pourra jamais le détruire! Maintenant, Turbo Protection! Achilles et Phoenix sont entrés en collision et ont été projetés en l'air! Achilles vient d'encaisser une nouvelle attaque brutale! Oh! Phoenix semble vouloir attaquer un nouveau dieu du ciel! Iger accompagné! Ultime impact! Dread! Dread! Impossible! Achilles! Exact. Allez. Iger accabané est vainqueur! Achilles a remporté la victoire! Iger accabané, la supernova écarlate a gagné le combat! Génial, Iger! Je
C'était exceptionnel. Oui, incroyable. Ça a été fabuleux, Aigle. Il a gagné le combat, Naru. Il s'en est vraiment sorti. C'était magnifique. Tu as enfin découvert ce que le Beyblade signifie pour toi. Oh, Aigle. Je suis si fière de toi. Beau travail, mon fils. Ton lien avec Aquiles est plus puissant que jamais. Dis donc, Walt, Aigle est vraiment exceptionnel, pas vrai? Tu peux le dire. Je suis plus impatient que jamais. Aquiles, je te remercie pour tout. C'était bien! C'est impossible. J'ai perdu. Mais pourquoi? Je pensais que la victoire faisait partie de mon destin. Je l'ai déjà dit, et je vais le redire encore. Aquiles et moi, nous sommes la meilleure équipe du monde! On applaudit encore les Bladers qui nous ont offert ces instants exceptionnels! Merci à tous et à bientôt! Tu as oublié ça. Oh. Attends. Tu sais quoi? Je me suis bien amusée. Tu n'as eu que ce que tu méritais. Tu es venu pour te moquer de moi. Non, je n'y songe même pas. Tu es bien trop pitoyable pour ça. Qu'est-ce que tu as dit? C'est minable. Tu perds et tu passes tes nerfs sur ta toupie. C'est on ne peut plus lamentable. Et bien entendu, tu ne comprends pas pourquoi tu as perdu, n'est-ce pas? Je sais que ça n'a rien à voir avec toi. Si, ça a tout à voir avec moi. Après tout, Dread Phoenix contient des pièces de mon Hadès. Alors toi, tu sais pourquoi? Pourquoi j'ai été vaincu? Ha! Et si tu me le disais, Votre Majesté? Aigle! Aigle! Oh, Aigle? Aigle, ça va? Ça fait des heures que je te cherche partout! Oh? Et bien sûr, il dort. Pourquoi je ne suis pas surprise? Et Aigle, je voudrais que tu saches que je suis vraiment très heureuse que tu sois mon grand frère. Et je t'aime. Oh. Chut. Hey, ailleurs, faut te lever. Hey, tu entends? Réveille-toi. Oh. Oh, qu'est-ce que tu veux? J'avais bien mérité une petite sieste, non? On vient juste d'annoncer ton prochain match. Oh, quoi, déjà? Absolument, et cette fois, ce sera un match pour le titre. Quoi, je... Tu veux dire que... je vais affronter Walt?